Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Robocraft, un épisode toujours dans les Robocraft Days. Je n'ai pas de nouvelles de ma tour à l'heure actuelle. Nous sommes avec Sauterelle, donc j'ai essayé de la presser Sauterelle. Hein. Même si normalement les insectes ont plus de pattes que ça, je le sais, mais ne me le dites pas dans les commentaires. On va le faire partir dans une battle arena, tiens, pour voir. Et on va voir s'il est efficace au niveau du sniper. Je rappelle que le précédent robot à pattes comme ça n'était pas du tout efficace, c'est-à-dire qu'il ne tirait qu'un coup sur 3, voire sur 4, à l'endroit où je visais. Et à l'endroit où apparaissait le point rouge. Catastrophe. Bon. Alors, on a quoi avec nous? On a un truc volant que j'aime bien, il faudrait que je fasse un de ces quatre. Predator Gaming HD, le pauvre, il s'appelle comme ça. Lui, il a un shield, peut-être même qu'il a un boost, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, on y va. D'accord, maintenant on a un peu plus de vitesse, je l'avoue. Quoique, il est pas complètement le... Oh, c'est dur. Ah non, il redescend. Oh bah dis donc. Il n'y a pas assez de jambes pour supporter le poids du robot. C'est ça que t'es en train de me dire, je... Oh bah dis donc, c'est la première fois que je vois ça. Alors là, c'est la nouveauté du siècle. Honnêtement, c'est la nouveauté du siècle. Ok, bon bah faudra racheter des jambes et en remettre, réussir à en remettre quelque part sur ce robot. C'est l'objectif qu'il faudra atteindre. Bon, est-ce qu'on peut trouver un ennemi volant sympathique qui accepterait de bien se laisser... T'es sérieux? Vous attendez au spawn? Putain, de catastrophe. Ok. Il a l'air assez précis. Hein. Il y a plus que l'autre. Ok, de 1. Oh, raté. Ah, je rate mes tirs. Oh. Oh d'accord, il a blinké. Ah oui d'accord, il me restait pas grand chose, effectivement. Ok. Bon en tout cas il est précis, de ce côté là il est précis. Niveau tanking il est pas des masses, donc on peut pouvoir moins aller au cac avec les SMG, je vous rappelle qu'on pouvait aller au cac avec les SMG, ce qui était pratique. J'ai peut-être rajouté de la propulsion aussi, peut-être qu'il pourra plus facilement avancer si j'en rajoute. Ça pourrait être un truc à essayer, peut-être qu'il aura plus de facilité à remonter les surfaces. Et encore quelques flops, je pourrais peut-être rajouter quelques thrusters. Your top fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Your middle fusion tower is under attack. Spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Your middle fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Merci. Je sais pas qui c'est qui a notre... Hop, aïe.
dégage. Ok, s'il n'y avait pas eu les deux ennemis, j'étais bon. S'ils n'avaient pas été deux, j'aurais été bon. Bon, à savoir. Bon à savoir. Ok. Bon, qu'il faudrait qu'il soit plus rapide déjà. Ce serait une bonne chose. Oh, et le tir qui vient de le traverser. Ok. Oh, ça touche pas. Your top fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Your top fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Allez, tire. Spotted. 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 Oh. Ok. J'adore les campeurs, c'est génial. Enfin ceux qui campent au niveau de leur point de spawn quoi. Ok. Voilà. Oh, ça touche. Comment ça peut toucher? Je le voyais pas. Ah, par contre, de là à me dire que monsieur me touche d'ici. Ah, il a blinké. Ok, bien joué. Help. Help. Faut que j'arrive à me déplacer sans me faire tuer. Ah la vache, bien joué. Bon tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis. Par contre ouais ça Remarque, c'est très difficile à tirer dessus. Et au niveau des lance-roquettes, c'est difficile aussi de toucher. C'est peut-être pas mal comme robot. C'est peut-être pas mal. Ok, la suite.
La suite. On va essayer de choper des tours quand même. On est niveau 10, on devrait faire suffisamment de dégâts au niveau des... Hop les, toi tu vas te cracher. En tout cas mes alliés spot les ennemis, c'est pas mal. Beaucoup m'aider. Your bottom fusion tower is under attack. Hop les bouffe, vengeance. Spotted. Merde. Oh! Bon, c'est pas grave. On se fait défoncer par devant. J'en mets par derrière. Oh là 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 là. Tu peux me heal? Ah, t'as pris tellement cher. Hop! Ah, ça me saoule. On les voit pas. On sait qu'il est plus ou moins par là, mais on les voit pas. Tiens, vas-y, butez-le. Putain, j'ai plus d'énergie. Vas-y, bute-le. Ok. Qui c'est qui me tire dessus avec ça? Qui c'est qui me tire dessus avec ça? Non! Mais putain, dans le bon sens! Non! Ah, la gueule. Tant pis. Bon! Plutonium Reactor is under attack. Mais qu'est-ce qu'ils font, nos potes, en fait? Ah bon, c'est ce que je ferai plus tard avec le RC Scorpion. Hein. Donc bon. Alors pour ceux qui veulent la petite information, pourquoi le robot RC Scorpion a une queue comme ça de scorpion? Simplement parce qu'en fait je regarde la série Scorpion. Je sais pas si vous connaissez. C'est une très très bonne série, elle est arrivée sur Netflix il y a pas longtemps. Donc voilà la petite information. YouTubers Live Inside. Your top fusion tower has been captured. Quoi? Oh non, il y a un cheater. Il y a tout juste un cheater en fait. C'est juste un cheater. Il est pas là mais il est là. Oh la gueule. Ah bah là, tu m'étonnes qu'ils vont faire des dégâts. Peut-être qu'ils vont justement être un petit peu trop sur deux. Ok. Ok, bon, de toute façon il est déjà nearly destroy, alors bon. Okay. Oh putain. Mais putain, le lag à la con qui apparaît à ce moment là. Ok, il y a quelqu'un qui l'a fini, c'est parfait. Your bottom fusion tower is under attack. You have captured the enemy's tower.
Ok, moi je marche sur eux. Quoi? Oh, il me saoule celui-là. Ça me saoule ceux qui restent comme ça à portée de leur machin là. Moi je suis un sniper, je bouge mon cul quoi, merde. Allez, Schmucks. Allez, avance. Et on avance. Top fusion tower is under attack. Spotted. Spotted. Your top fusion tower is under attack. You have captured the enemy's fusion tower. Your enemy's fusion shield has been deactivated. Your top fusion tower is under attack. Ok. Ah, on a pris beaucoup de dégâts. Allez, tire. Dommage. A mon avis, là, on leur a bien foutu les boules. On leur a bien foutu les boules. Si nos potes sont assez rapides pour prendre la tour, ça serait cool. Allez, les mecs. Allez les bleus, on est tous ensemble. Allez les bleus, on est tous avec vous. Allez, prenez la tour. Mets la tour, prends la tour abruti. T'aurais pas dû rush. Tu devrais pas rush, t'aurais dû prendre la tour. T'aurais dû prendre la tour. Bien. On y retourne. Et surtout, on empêche tout le monde de passer. Parce que là, ça va se jouer à rien du tout. Soyons honnêtes, ça va se jouer à rien du tout. Allez Schmucks, on y retourne. Allez, allez bien Schmucks. Allez bien. Oh merde. Schmucks, rush. Your top fusion tower is under attack. Putain, il se planque derrière le truc. Sac. Oh la vache. Ah putain. Allez. Allez les mecs. Ah, j'y crois pas que j'étais buté par un machin comme ça. C'est pas les pires, mais bon, il y en a quand même bien déjà. Allez, vas-y, bourre. 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 Bourre, mon pote. Allez, bourre, Schmucks. Allez, bourre. Quoi? Mais je viens de repop. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis déjà verrouillé alors que je viens de pop? Your bottom fusion tower is under attack. Your plutonium reactor is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. Mais quoi? Quoi? Regardez ça! Regardez ça, c'est ce qu'on appelle un cheater. Donc c'est le mec, ça c'est le mec qui butait le comment le notre point de spawn de l'intérieur. Parce qu'il n'y a personne qui me tire dessus, il n'y a personne qui me verrouille. Oui, ils les ont eus. J'ai hésité. C'est qui? On a gagné, on a perdu? Non, c'est bon, on a gagné. Oh la gueule. Ça s'est vraiment joué à rien. Ça s'est véritablement joué à rien. Waouh. Bon. Alors niveau snipe, il est précis. Il est précis. Mais il manque beaucoup de capacité de tanking. Donc autant faire un robot rapide. Est-ce qu'on peut peut-être ajouter quelques propulseurs? Oh, 1 500 000, cool. Génial, ça fait du bien par où ça passe. De toute façon, on en a des propulseurs à l'avance, chers amis, je vous rassure. Hein. En mouvement, hop. Alors. Je devrais être en mesure d'en rajouter un ou deux ici.
Parce qu'il faut le rajouter quand même d'une belle manière, hein, merde. Merde. Hop. Ok, alors. L'avant, c'est par où? Ok. Ok, voilà, parfait. Voilà. Crac. Ça me semble plutôt pas mal. Et on peut refaire exactement la même chose de l'autre côté. Je pense que ce sera pas mal. Alors, 1... 2, 3, 4. Non. Non plus. Celui-là, merci. Crac. Ah, je l'ai chié en fait. Ok. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Cool. Et donc, juste pour voir, est-ce qu'il a une augmentation de vitesse significative ou pas en grimpé? Ouais, en grimpage, on va dire. Ouais, je sais pas comment. En montée. J'ai dit, en fait, je voulais dire monter, grimper, en grimpage, bref. Ah. Semble avoir effectivement une vitesse un peu plus rapide. Ouais. C'est pas tout à fait ça encore, hein, soyons honnêtes. C'est pas tout à fait ça. On a connu des pentes plus difficiles, soyons honnêtes, hein. Allez, hop. Oh là là. Oh là. Ah, c'est devenu la limace, hein. C'est plus la sauterelle, c'est la limace. Ah, je suis curieux de savoir s'il peut monter là-dessus, par contre. Allez, c'est parti. You can do it. Ah bah, il a plus de facilité dans ce sens-là que dans ce sens-là. Là, autre chose. Eh, n'empêche que... Il l'a fait. N'empêche qu'il l'a fait. Hop. Bon. Bon, on va considérer... Enfin, maintenant que tu m'abandonnes. On va considérer qu'il l'a fait, qu'il est plus performant comme ça. Peut-être qu'on rajoutera deux pattes quand on aura les crédits pour. Bon. Il est grimpé. Il a grimpé en haut... De la plus haute tour, du plus haut donjon, du plus haut château, de la plus haute montagne. Bon, 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 bon. Du coup, garage. J'appuie sur G pour garage, mais apparemment ça veut pas. Voilà, merci. Ça voulait pas. Hop, ici. On a 1 700 000. On devrait au moins pouvoir s'acheter normalement. Les deux restants, comme ça. Et on a 1 million pour s'acheter normalement 1, 2, 3. Ouais, non, c'est ça, c'est bon. Hop. Voilà. Crac. Hop. Voilà. Hop. Ici. Et hop. Ici, parfait. Bon bah il nous reste plus qu'à avoir 2 millions et au total on aura réussi à finaliser ce robot. Tiens, je crois qu'on m'appelle. Quoi qu'il en soit les amis, encore une fois, waouh, et calmez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure et pouce vérifier la vidéo, commentez-la, partagez-la, commentez au niveau du compte presse. Et on se retrouve tout à l'heure pour un nouvel épisode, donc je pense que ce sera un épisode double aujourd'hui, donc on verra bien. On verra bien. Allez, salut les gens.